Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce show numéro 193 sur MX Réflexion Live. Ça fait plaisir de se retrouver comme un mercredi soir. La petite routine des lives a bien repris depuis le début de l'année. On est content de se retrouver, surtout que l'actualité bat son plein en ce moment entre le Touquet et les courses d'enduro extrême. Pour ma part, ça concerne que moi finalement. Je pense que même tous ceux qui nous regardent ne sont pas concernés. On a aussi les Supercross US avec Tom Vial qui a fait ses débuts. On a aussi des débats avec des gens qui se roulent dessus dans la rue au Touquet. On en parlera peut-être un petit peu ce soir si on ne se fait pas bloquer par Facebook. En tout cas, il y en a un qui peut-être est un peu nostalgique du Touquet. C'est Blaise Abadie. Comment ça va, Blaise? Mais ça va très bien. D'ailleurs, ce soir, je pense qu'on va en parler quand même pas mal. Donc, oui, ça va très très bien. Content de retrouver tout le monde. Pour un nouveau live, tu l'as dit, 193 live, ça commence à faire. On commence à Bientôt, avoir eu. bientôt un show anniversaire, le numéro 200, on fera peut-être un petit goûter chez toi. Exactement, on fera ça. On invitera notre invité à domicile. Allez, on a beaucoup parlé. On va présenter notre invité pour ceux qui ne le connaissent pas. Encore un invité de marque ce soir, mais Nico, je te laisse le présenter. Bah, tout simplement, il faut faire appel à lui si vous voulez gagner le Touquet. C'est aussi simple que ça. Il enchaîne les victoires sur cette épreuve depuis plusieurs années en tant que coach. Il pourrait transformer un âne comme toi, Blaise, en cheval de course. Pas comme moi, du coup, aussi. C'est le grand Sébastien Sago. Comment ça va, Sébastien? Ben, bonsoir à tous. Déjà, merci pour votre invitation. Ben, écoute, plutôt bien. C'est interviewer tranquillement à la maison. C'est toujours un bon moment. Donc, top. Je suis vraiment content d'être là avec vous et je vais essayer de répondre à toutes les questions ou au moins parler un peu de mon expérience à l'Enduropale. Alors, je rappelle toujours que voilà, ce sont les pilotes qui gagnent. Nous, on est juste une petite aide qui vient en plus, mais c'est top. Un grand merci à vous. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'entraîneur de Todd Kellett, de Milko, si je ne me trompe pas, toujours. Est-ce que tu peux nous dire qui tu avais cette année, justement, sous ton aile? Ben, en fait, si tu veux, ma mission, elle est auprès du team Yamaha Dragon Tech. Et c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, j'ai accompagné Milko et Todd dans leur évolution. Alors, j'ai deux missions. Après, je suis en fonction de la demande des pilotes, hein. Comme je dis tout le temps, forcément, c'est toujours le pilote qui doit être en demande, être en recherche. Et nous, on est là à l'extérieur pour les guider, les aider, enfin les guider ou même échanger. Le plus important, c'est que le pilote se sente bien. J'ai été missionné pour aider la marque Yamaha à gagner le Touquet. Donc voilà, après, j'avais une approche différente et un travail différent parce que tout simplement, Milko, moi j'ai eu Milko à l'âge de ses 8 ans, 9 ans, 9 ans, jusqu'à ses 15 ans. Donc on a beaucoup travaillé sur les bases techniques, tout ce qu'on apprend aux jeunes très très tôt. Et ensuite, ben, il a mené sa vie et il y a 3 ans, on s'est retrouvé via la mise en place du team Yamaha et la nouvelle organisation avec mon arrivée chez Yam pour aider les pilotes. Et forcément, c'était avec plaisir parce que j'ai toujours pris du plaisir à avoir Milko. Mais l'approche était différente. J'avais un jeune pilote d'un côté de 21-22 ans qui avait beaucoup de travail technique et de reconstruction, de déconstruction pour reconstruire. Et d'un autre côté, j'avais un pilote affirmé qui avait déjà une victoire à l'époque et il voulait en enfiler d'autres. Donc, j'ai juste été un peu plus parcimonie et présent à des moments donnés. Donc, c'est pas tout à fait le même rôle, mais ça a été tous les deux des expériences enrichissantes et passionnantes. Justement, c'est pas trop dur d'avoir deux top pilotes, les deux meilleurs pilotes actuels dans le sable, à l'entraînement ensemble. Ouais. Alors, j'avais déjà connu ça un peu auparavant, puisque en fait, mon premier rôle auprès d'un pilote, c'était Benjamin Scott. Et Benjamin, on avait travaillé avec ça, c'était en 2007, 2006-2007. Et Adrien et Milko étaient dans le giron, parce que j'ai une école de pilotage, donc ils étaient juste derrière lui, mais beaucoup plus jeunes, sur les 125 ou les 85. Et après, ben, rapidement, Adrien est devenu un pilote dont je me suis fortement occupé pour justement essayer de progresser sur les courses de sable. Et lorsqu'il avait gagné sa première victoire, j'avais un autre jeune belge, puisque c'est des cycles, tu sais, dans les écoles de pilotage, etc., dans les centres de formation, hein, c'est des centres de génération. J'ai un jeune pilote belge qui était Axel Van de Sande, que j'avais depuis l'âge de ses 9 ans chez moi, donc qui s'est un peu spécialisé dans le sable en étant belge. Et donc à un moment donné, on s'est retrouvé déjà sur ce cas de figure entre Adrien et Axel. Et c'est vrai qu'ils avaient fait une année, ils ont fait un et deux. Donc on avait déjà un peu cette mission, enfin ce côté-là qui était déjà existant chez moi. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment deux pilotes dans le même team, même structure. Milko, comme je disais tout à l'heure,
deux approches différentes. Et c'est vrai que au début, c'était sympa, c'était top, ça l'est resté tout le temps. Mais après, ben, bien entendu, après, il faut ménager un petit peu. Ils ont été assez intelligents pour comprendre aussi l'importance de rouler ensemble parfois. Après, dans le team, on n'a jamais exigé ou enfin, c'est pas mon style d'imposer ou d'exiger. Alors, autant en tant qu'entraîneur, tu as des exigences pour atteindre des objectifs techniques, mais après, dans la façon de s'entraîner, chacun. Je pense que quand tu es entraîneur, il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque individu est différent. Très, très tôt, depuis le début de ma construction d'accompagnement chez les pieurs, je me suis intéressé à la préparation mentale et je pense que c'est un point clé. Et quand tu comprends vraiment la partie mentale, les éléments importants, c'est surtout pas de suivre une seule route avec les mêmes pilotes. C'est-à-dire que le chemin, il est là et donc forcément, en fonction des demandes et des périodes, tu sens bien que les périodes, ils en ont besoin, ils sont en demande de rouler ensemble, des périodes où moins, l'un plus l'autre. Tu as des échanges avec eux pour dire, tiens, je pense que ça serait bien quand même qu'on... Et après, ben, on dispose parce que la priorité, c'est que le pilote se sente bien en progression et arriver serein sur le jour des courses, quoi. Ah, je partage tout à fait ton point de vue par rapport à ça, par rapport au fait qu'un entraîneur doit s'adapter à la personne qui est en face. Souvent, on vient nous voir avec les vidéos qu'on a faites et on nous demande, tu me conseilles qui pour aller faire un stage, comment je fais pour progresser. Et moi, souvent, je dis, bah, déjà, essaie d'aller avec quelqu'un avec qui le courant passe bien, avec qui tu t'entends bien, quand il parle, tu as envie de l'écouter, plutôt que quelqu'un qui a eu des résultats dans sa vie. Parce que pour moi, en tout cas, je pense que la pédagogie passe avant les résultats. Et quand on arrive à transmettre bien le message, c'est pour moi, en tout cas, plus important que des fois le petit détail technique qui va faire gagner. Alors bien sûr, à très haut niveau, oui, mais à un niveau moyen et plus faible, c'est plus important la pédagogie pour moi. Oui, je te rejoins complètement. Je pense que c'est une clé, entre guillemets, dans le rapport. Voilà, j'ai toujours eu des longues histoires avec mes pilotes. Maxime Renaud, c'était 10 ans. J'ai fait Adrien, on ne sait jamais. Voilà, ça fait plus de 20 ans. Adrien Van Beveren. Ouais, Adrien Van Beveren, ouais, c'est ça. Donc, ça fait 23 ans. Et parce que je pense que il y a toujours, et ça n'a jamais été que comme sur des roulettes, ça n'existe pas, hein, les histoires comme sur des roulettes, mais toujours être à l'écoute, l'échange, essayer de construire, même dans l'échec et la difficulté. Et surtout, je pense que quand tu es entraîneur, il ne faut pas être dans le jugement. Au contraire, il faut être dans l'analyse. Il faut être, quand tu commences à juger ton pilote, ça devient compliqué. Il faut être plus dans la compréhension. Enfin, moi, je suis toujours parti du principe que le pilote qui était en échec, il n'a jamais la volonté de réaliser un échec, il n'a jamais la volonté de ne pas bien faire, ou quand il ne le fait pas, c'est juste lui faire prendre conscience que s'il ne le fait pas, ça ne matchera pas, et comment tu peux faire. Tu sais, j'ai croisé, je m'éloigne peut-être du sujet, mais c'est tellement passionnant, j'ai croisé des gens qui m'ont dit que Maxime Renaud, il ne ferait jamais grand-chose, parce qu'il manquait de technique, il était trop physique. J'ai croisé des gens qui m'ont dit que Van Beveren ne ferait pas grand-chose, parce qu'il n'avait pas la vitesse. Potisek, parce qu'il se blessait trop. Kellet, parce qu'il n'avait pas de technique, c'était un bourrin. Et en fait, si tu te concentres que sur les points faibles de tes pilotes, ben ouais, tu restes que là-dedans, en fait. Et tu lui répètes qu'il faut qu'il progresse là-dedans, mais tu lui répètes. Par contre, si tu t'as, à un moment donné, face aux points faibles, tu dois aussi évaluer les points forts. Et tu sais que le point faible ne sera jamais un point fort, mais il faut le pallier par ces points forts. Ou parfois même, j'ai vu des athlètes en faire des points forts parce qu'ils se sont appuyés sur leur qualité pour essayer de pallier un petit peu leurs défauts. Mais voilà, mais les histoires, tu vois, j'étais des noms de pilotes, c'est tous des gars différents, avec une façon de voir la vie différente, avec une éducation différente. Donc tout ça, ça doit être pris en compte dans une globalité. Un pilote, c'est d'abord un homme ou un enfant ou un ado, et ça, c'est déjà la base. À partir de quand, à partir de quel âge ou à partir de quel niveau, tu vas les faire travailler justement sur leurs points forts plutôt que de leur ressasser et les tirer vers le haut sur leurs points faibles? On avait discuté de ça dans notre live avec David, ouais, Villemain, qui nous disait que Marvin Musquin, à l'âge qu'il avait, au niveau qu'il avait acquis, il allait plutôt le faire travailler sur ses points forts que sur ses points faibles. Est-ce que toi, tu
tu as une petite recette à nous donner par rapport à ça? Bah ouais, tu vois, déjà, je pense qu'il n'y a pas d'âge, que tu sois... Moi, j'ai... ma passion, c'est vraiment l'accompagnement des pilotes, qu'ils soient enfants, ados, adultes, ou débutants, amateurs, compétiteurs ou pros. Et c'est vrai que je prends autant de plaisir avec mes gars de 60 ans que mes jeunes de 7 ans. Et actuellement, mais je suis un jeune de 7 ans qui a un peu de potentiel. Mais c'est vrai que je vois bien déjà sa façon d'être physiquement, sa façon de pratiquer la moto, sa façon d'être... il a beau avoir du gros, gros potentiel aujourd'hui, s'il n'y a pas des détails qui vont être très importants, qui ne vont pas être travaillés tout de suite, ben, il risque de lui manquer quelque chose à un moment donné quand il voudra réaliser ses rêves ou ses objectifs. Donc, très tôt, il faut les sensibiliser à des choses. Mais c'est assez large. Hein, ma priorité, ça a toujours été de sensibiliser, de créer dans la... J'ai rarement eu besoin de rapport de force avec mes athlètes. On a une question d'Alban qui nous demande où sont les limites du cadrage, de ton cadrage du coup dans ton encadrement, pilotage, nutrition du pilote, préparation physique, cardio, préparation mentale, peut-être un petit peu la mécanique aussi. Est-ce que tu te cantonnes vraiment à quelque chose en particulier ou tu as un avis un petit peu sur tout? Alors déjà, je pense qu'il est important d'avoir de la sensibilité. En fait, ce sont des vecteurs. On parle de pilotage, de nutrition, donc ça, sont tous différents vecteurs. Bien entendu qu'il est important qu'un entraîneur, pour moi, à ma part, il se sensibilise sur tous les vecteurs. Mais moi, j'ai choisi très rapidement, de faire appel à des professionnels dont ils ont la possibilité de se concentrer et aussi d'être au goût du jour. Tu vois, nous, on est du milieu de la moto, tu vas vite comprendre ce qu'est les nouveautés en moto, ce qui est... Et je pense que pour être performant, il faut y être à 100%, il faut être passionné, je ne dis pas que la nutrition, ça ne me passionnerait pas, je ne dis pas que la prépa physique, je ne serais pas passionné, mais je ne peux pas y passer autant de temps dans tous les vecteurs, sinon tu te mets à faire tout, mais moyen. Et donc, moi, j'ai choisi justement de me construire autour de moi une équipe avec des vrais professionnels dans le secteur de la préparation mentale, dans le secteur de la préparation physique, dans le secteur de la nutrition, dans le secteur comme médico-sportif, kiné, ostéo, chiro, tout ce qu'on peut avoir besoin pour faire un athlète en bonne santé. Et en effet, donc, ma limite, je me concentre essentiellement, si je dois répondre à cette question, je me concentre essentiellement sur la partie technique de notre sport, c'est-à-dire voir le pilote, comment il évolue en course, dans sa façon de ses trajectoires, la façon d'aborder mentalement. Alors, je dirais que l'aspect mental, je suis plutôt bien formé parce que j'ai la chance de... Et on y est venu comme ça, mon épouse est sophrologue sportive, et c'est vrai qu'elle y est venue par le biais de mes premiers, entre guillemets, encadrements. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être plutôt bien formé dans ce domaine. Mais ça m'a apporté vraiment une approche une lucidité, une approche dans le discours et que j'ai avec mes pilotes qui m'ont vraiment facilité, la communication. Est-ce que tu donnes ton point de vue aussi sur la moto, sur les suspensions, le moteur? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme dans la préparation physique où là, j'ai forcément un œil. Quand j'ai les athlètes de haut niveau, j'ai forcément un œil sur ce qui est fait. Je vérifie un petit peu, on échange, on fait des briefings. Il y a toujours des moments où on se pose. Et comme sur la moto, forcément, ce n'est pas moi qui vais préparer la moto. Je ne serai jamais un expert et pas un préparateur de suspension. Mais si tu n'es pas là non plus sur le bord à échanger avec tes pilotes et que tu n'as pas la capacité d'avoir un minimum l'œil, c'est important, tu vois, dans la façon. D'ailleurs, les pilotes, je suis souvent étonné, c'est quand j'essaye les motos des pilotes. C'est-à-dire que je vois encore beaucoup trop de pilotes qui n'ont pas les connaissances et pratiquent et pensent que les motos marchent. Et quand tu montes sur leur moto, je dis, mais si tu peux pas rouler comme ça, c'est pas possible. Et souvent, c'est assez étonnant, ouais. Vas-y, Nico. Ouais, j'ai un souvenir de Milko Potisek. Blaise, peut-être tu pourras compléter ce que je vais dire. C'était au Kenny Festival où on avait rencontré Milko et il nous avait donné des infos intéressantes. Je crois que tu les avais croisées, toi, Blaise,
dans les Landes, c'était à Tarnos, quelque chose comme ça. Et Milko disait que il aimait bien ce genre d'entraînement juste avant le Touquet, 2-3 semaines avant le Touquet, à se retrouver avec les autres pilotes, notamment Todd Kellett, pour montrer que c'était le meilleur à l'entraînement. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves souvent chez Milko ou chez d'autres pilotes, le fait de s'affirmer, de montrer un petit peu que c'est le mâle dominant à l'entraînement? Ouais, alors ouais, tout à fait. Ben, tu sais, quand tu es compétiteur, tu l'es pas seulement qu'en course. Hein. La compétition, c'est toute ta vie, c'est dans tout ce que tu fais, je pense. Et c'est vrai qu'alors maintenant, ce qui est important, c'est de leur rappeler à quel moment il y a de l'enjeu ou il y en a moins. D'être le meilleur à l'entraînement, c'est bien, mais en course, c'est encore mieux. Et c'est pas parce que tu es moins bon en entraînement que tu seras pas meilleur en compétition ou l'inverse. Donc, c'est vrai que, mais c'est vrai, il y a toujours un peu cette. T'as besoin de prouver, t'as besoin de. Parfois. Et c'est vrai qu'on est dans des sports, les entraînements à huis clos, ça n'existe pas souvent. Donc, c'est rare que, tu vois, tu vas dans le sud-ouest, tout le monde peut rouler. Tu vas à un Lune Plage, tout le monde peut rouler. Donc, il faut s'y habituer. On est dans un sport, voilà, même si les pilotes de haut niveau, les sportifs de haut niveau. C'est rare que les tennismans vont aller se faire un match ensemble à l'entraînement la veille, mais chez nous, dans notre sport, oui. Ils vont, en tout cas dans le sable surtout, parce qu'il y a très peu de pistes de sable. C'est vite reconcentré, les pilotes se voient régulièrement, se testent, se prennent leur chrono. Et c'est vrai que... Et ça, il faut... Alors, c'est aussi une limite parfois, parce que... tu sais, les phases d'entraînement, moi, je sais que voilà, on est obligé d'aller rouler, par exemple, dans des phases où ils sont fatigués. Parce que ça fait partie de la planification. On sait que c'est des périodes où, ben ouais, on fait attention à l'entraînement moto parce que c'est des périodes où la préparation physique doit être mise un peu plus en avant dans certains domaines. Si c'est dans l'explosivité, ben tu sais que ça va manquer un peu de jambes. Si c'est dans l'endurance, ça va manquer un peu de jus. Donc voilà, on essaie de leur expliquer que voilà, c'est l'entraînement, il faut prendre de la sensation, mais que qui est important, c'était d'être prêt au Touquet. Cette année, on avait vraiment choisi de pas arriver trop tôt prêt. Sur la saison, déjà Milko avait vraiment besoin de se refaire une petite santé sur son genou. Todd avait pris une année un peu, il avait travaillé dur pendant 2 années et il était nécessaire qu'il fasse une petite pause. Et on l'a convaincu de s'arrêter un peu et il s'est marié, il a pris le temps un peu, voilà. Et c'était vraiment un choix de se dire, on démarre pas trop tôt la saison. Donc le début de saison, on s'était dit bon, si ça gagne pas, c'est pas grave. Et puis tout qu'on fait pour arriver bien au Touquet. Et puis tout qu'on fait, ça fait plutôt une. Ouais, ça s'est bien passé tout de suite pour le début de saison, en tout cas. Tu l'as ressenti comment, toi, l'entraînement, quand ils étaient ensemble, quand Milko pouvait rouler avec Todd? Tu l'as ressenti plutôt comme une émulation positive, on va dire, qui se tirait vers le haut, ou au contraire, ça se regarde et des fois, c'est pas toujours positif? Ouais, en fait, on a eu un briefing en début de saison. Et le briefing, il était assez clair. Hein. C'est sûr qu'avec le Touquet l'année dernière, tu montes d'un cran la rivalité. Et ils sont restés pendant 1h30, je crois, ou 1h45, roue dans roue, à se passer l'un et l'autre le lead. Donc forcément, ça monte d'un cran la rivalité. Ça, voilà, maintenant... ils sont aussi payés, enfin ils sont aussi enrôlés, on va dire, par la marque pour faire gagner la marque. La priorité, c'est de faire gagner leur marque et que avant tout et que ils doivent travailler dans ce sens-là. Maintenant, ils sont pas là pour aider l'autre à faire gagner, mais tout de suite, je leur ai expliqué que il y avait 2 solutions, soit ils se regardaient face à face toute la saison et puis à se regarder de face et à se regarder l'un et l'autre, et ben on stagne un petit peu et on se fait déboîter par un autre. Ou alors, on est côte à côte et on tire, on avance, on essaye de... Et ça s'est plutôt ressenti comme ça. Après, alors, malheureusement, Milko a dû quitter rapidement l'entraînement après Saint-Léger pour les raisons qu'on connaît. Et forcément, ça c'est après le temps qu'il reprenne. Il a eu un programme un peu spécifique et on ne souhaitait pas le remettre tout de suite non plus dans le bain et il ne souhaitait pas non plus revenir à l'entraînement avec Todd directement alors qu'il avait besoin de temps, s'adapter à son poignet, à sa blessure. Donc, il avait un entraînement qui se faisait au jour le jour pratiquement. Et il y a des jours où il avait prévu de rouler, on ne roulait pas parce que le poignet ne le permettait pas. Il a fait un gros mois de janvier, hein, Milko. Il a fait un gros boulot pour revenir à 100% sur l'Enduropal. Il aurait pu le gagner, cet Enduropal, il était prêt? Aussi bien prêt sûr que l'année dernière? Bien sûr. Moi, je suis convaincu. Malheureusement,
on ne pourra pas le savoir, mais on ne le saura jamais. Mais là où je peux être convaincu, c'est qu'il avait la possibilité de le gagner. Ouais. En tout il cas, était en j'aurais place, en aimé tout cas, que. Il était à la bonne place pour le gagner, quoi. Ouais, c'était quand carrément. même l'année dernière, au final, le départ, ça ressemblait un petit peu à ce qui s'est passé Maintenant, l'année dernière. exactement. Je pense que Todd, il était prêt aussi à gagner. Ça nous aurait fait un bel enduropale. Et c'est ce qu'on attendait. Quand j'ai vu qu'ils étaient 1 et 2 à la fin du premier tour, je dis, allez, c'est lancé, c'est parti. Voilà, sport mécanique, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Surtout au Touquet. ouais, surtout Touquet, tu as raison, Blaise. Surtout au Touquet, ouais. Comment tu travailles avec ces pilotes-là, on va dire sans rentrer trop dans les détails, mais est-ce que tu continues à travailler techniquement, tu sais, comme on faisait nous à l'époque, à faire du virage, du freinage, virage, Ouais. accélération, ou alors est-ce que c'est plutôt chrono-manche, chrono-manche? Non. Non, non, alors moi, je fais. Alors, Est-ce que tu mets les montre. plots au sol? Ça m'arrive encore. Alors, c'est plus difficile parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup à Loon Plage. Et c'est vrai qu'à Loon, ben, les restrictions, ce qui est normal. Et puis, avec l'actualité de Loon, eh ben, forcément, on avait de moins en moins la possibilité d'accéder sur la piste ou de la couper. Donc, forcément, c'était plus complexe. Mais c'est quelque chose dont je fais encore, même avec des top pilotes. Même aujourd'hui, si je devais travailler avec un mec qui doit faire le mondial ou qui vise le titre mondial, c'est encore quelque chose que tu fais encore au moins une fois par semaine, ça. Parce que c'est nécessaire. Tu sais, c'est l'aspect technique. Ta technicité, elle doit toujours s'aiguiser, elle doit toujours être. Et le fait de te reconcentrer sur un virage, deux virages, un freinage, un amorti ou un passage de vague, ça te rappelle à quel moment tu peux déclencher. C'est hyper important. Alors, bien sûr que tu fais pas que ça dans ton entraînement, mais il est nécessaire à tout âge de ressortir les cônes ou les pneus dans la prairie et de repartir à zéro. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Alors, c'est vrai que c'est. On a eu cette chance, je pense qu'en France, la fédération, très tôt, a mis le point sur l'encadrement, les éducateurs, les écoles de pilotage depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'on a eu cette culture de l'apprentissage technique qu'ont pas eu très très tôt les autres pays. Moi, tu vois, je peux te raconter une anecdote. Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur Van Vas-y, vas-y, Beveren? on est là pour ça. Allez, allez. Tu sais, j'ai grandi avec eux, hein, Van Beveren et Potisek, c'était mes deux premiers pilotes quand j'ai démarré. Et moi, je suis pas un entraîneur qui vient du haut, je suis un entraîneur qui vient du bas. Mon niveau, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai gagné la Ligue, j'ai fait un peu de national, un peu d'élite, mais j'ai pas fait de mondial, j'ai pas une grande carrière professionnelle de moto. Et j'ai passé mon diplôme à l'âge de 18 ans. Et à un moment donné, par contre, je me suis toujours instruit, toujours mes sources d'inspiration. J'ai cherché rapidement à investir. J'ai travaillé avec Jacky Vimont, avec Yannick Gervais-Las, parce que je voulais encore apprendre énormément en tant qu'entraîneur et éducateur. Et à l'époque, Adrien faisait dans le top 5 du championnat de France, enfin des courses de sable. Et puis je m'étais dit, ah, j'aimerais bien m'entourer, prendre un peu d'infos. Et donc, j'avais à l'époque contacté Kies van der Ven. Donc, vous savez qui est Kies van der Ven, hein, 5 fois vainqueur de l'Enduropal à l'époque des années 80. Et donc, Kies nous avait reçus à Lommel. Et donc, un monsieur qui avait gagné 5 fois l'Enduropal et l'Enduro du Touquet. Et quand il nous a vu débarquer, il a regardé rouler Adrien. Et il dit, oh, ouais, super, top. Et en fait, il ne comprenait pas ce que je voulais. Il dit, mais j'ai plus rien à lui apprendre. J'ai dit, ouais, mais ben non, je vois pas ce que je peux faire, je peux rien faire. Et il était convaincu de ça, hein, tu vois. Alors autant il dit, ben, je peux t'aider à régler la moto, je peux t'aider, mais il roule mieux que moi, comme que je ne roulais moi, donc je vois pas. Et tu vois, c'est une culture. C'est-à-dire que les pays ont mis du temps à comprendre ailleurs qu'à part faire un certain niveau, il n'y avait plus que des tours et des chronos et des manches. Alors que techniquement, tu dois encore continuer à aiguiser. Et c'est vrai que, tu vois, c'est une petite anecdote que je partage avec vous. Mais je pense qu'en effet, on revient toujours à la base. En tout cas, plus avec un Kellett qu'avec un Potisek, par exemple. Parce que Todd, alors, il avait bossé un petit peu avec quelques entraîneurs en Angleterre, mais parcimonie et très peu. Donc, il est arrivé avec une technique qui était basée sur sa.
son ossature musculaire, c'est-à-dire qu'il développait son corps énormément. Quand je l'ai rencontré, il faisait des heures et des heures de musculation. Il avait des, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais il avait des bras comme mes jambes pour pouvoir un peu pallier aux contraintes techniques de la moto. Donc, tu vois, c'est vrai qu'on y bosse encore, il a encore des gros paliers techniques à passer, mais on s'approche de quelque chose de pas trop mal, on va dire. Tu as parlé de la FFM au niveau de l'encadrement. J'ai envie de parler un petit peu des sites de pratique. Tu as évoqué Lune Plage. Il y a quelques sites de pratique dans le sable. Dans le sud-ouest, on en a quelques-uns. On a Magesque, on a Saint-Léger de Balzon. Il y a le motoclub des Estates aussi. Voilà. Il y en a quelques-uns. Et quand on voit le nombre de pilotes qui participent au championnat de France des sables, au final, il n'y en a pas beaucoup. On ne va pas se le cacher. Il y a pas mal de circuits qui ne sont pas homologués FFM. Ouais, sauvages. Qui d'ailleurs se rapproche beaucoup plus de ce qu'on rencontre en compétition. Donc clairement, on est obligé d'y aller. Enfin, tu vois, même niveau de Blaise, moi j'ai jamais fait de ça, mais Blaise l'a fait l'année dernière. Il a dû se préparer là-dedans parce que c'était bénéfique. Qu'est-ce que tu verrais toi pour améliorer ça? Quel conseil tu pourrais donner à la FFM si peut-être déjà tu travaillais avec eux en parallèle là-dessus quoi. Bah, déjà, bon, la fédération, on a quand même vraiment une très bonne fédération d'ensemble qui fait un super boulot. Forcément, il y a encore des choses à améliorer, dont les sites de pratique, notamment dans le sable. J'en suis convaincu. Alors, des conseils, je ne vais pas être donneur de conseils. Je ne pense pas être à la bonne place pour donner des conseils à ma fédération. Maintenant, dans l'échange et dans la construction, sur, bien entendu, maintenant, c'est sûr que c'est nécessaire. J'aimerais vraiment qu'on n'ait plus besoin de ces sites sauvages ou ces sites de pratique. Ça serait quand même pour nous pratiquants. Alors, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous. Ce sont des sites de pratique où tout le monde se retrouve parce que ce sont les sites à chaque fois où le sable se rapproche, les vagues, des courses qu'on retrouve. Et quand on va sur les terrains d'entraînement, eh ben, officiel, on ne retrouve pas ce type de, on va dire, de sensation. Et voilà, donc c'est sûr que la fédération a encore du boulot, mais aujourd'hui, se retrouver avec quelques hectares de sable au milieu des pins, c'est pas forcément évident pour y faire la pratique des sports mécaniques, mais c'est vrai que tu as complètement raison, je vous rejoins sur le fait qu'on en aurait bien besoin et qu'il serait quand même aujourd'hui plus sympa et mieux pour notre sport de pouvoir pratiquer sur des sites légaux, officiels et où tout le monde est assuré. Et justement, ça vient à la question suivante que j'avais, c'est la différence entre les sables. Quand j'ai commencé le sable, parce que de l'année dernière, quand j'ai préparé le Touquet, je n'avais jamais posé les roues dans le sable, donc j'ai fait vraiment que de la terre toute ma vie. Et quand j'ai commencé à rouler dans le sable, j'ai entendu de tout. Et alors là, mais vraiment de tout. Ça passe de... Des conseils sur Instagram. Hein. Ah, des conseils, on en a eu. Mais même que ça soit sur Instagram ou à l'entraînement, j'ai eu des conseils comme quoi... Non, ça sert à rien, tu sais rouler, ça sert à rien d'aller rouler, fais du physique, comme ça tu tiendras les 3 heures. J'ai eu des conseils de ce genre. J'ai eu d'autres conseils comme quoi, ne va pas rouler à Magesque, c'est du sable noir, ça sert à rien, va rouler que sur du sable jaune. J'ai eu un peu de tout, où j'ai eu va t'entraîner plutôt dans les bois que dans le circuit de Magesque plutôt que sur l'autre. Voilà, il y a eu un peu de tout et c'est vrai que quand on commence à s'habituer, on se rend compte qu'il y a des sables différents et quand on se prépare que pour le Touquet, c'est vrai que le sable jaune, le sable de plage, c'est quand même vraiment pas pareil que le sable noir que l'on retrouve ailleurs. Du coup, ma question, c'est ça, c'est toi qui es là depuis longtemps, qui connais bien le sable, comment tu fais avec tes pilotes? Est-ce que tu les entraînes que dans le sable jaune quand tu es à l'approche du Touquet, que dans le sable noir quand tu es à l'approche de Saint-Léger ou de Magesque? Comment tu fonctionnes? Bah, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que... Alors, techniquement, déjà, pour répondre à ta question... les différents sables, le fond de technique reste le même, c'est-à-dire que ta base technique, elle reste identique, si ce n'est que plus ton sable va être noir et dur, plus tu vas devoir être précis et plus tu vas devoir avoir des réglages un peu différents sur ta moto également et t'habituer à cette sorte de glisse où la moto, tu dois être un gros travail sur ta gestion de gaz, sur tes jambes et sur ta façon d'aborder la piste, alors que dans un sable jaune, plus tendre, plus mou, tu vas avoir un réglage à l'opposé encore, enfin à l'opposé un peu différent, sur tes suspensions surtout, et là tu vas avoir des plus longues vagues et plus longues où tu vas devoir prendre de la vitesse,
Et aussi, alors, ça paraît plus simple dans le sable mou, c'est vrai, parce que tu es moins contrarié, la moto, elle va un peu où elle veut et c'est pas très grave. Mais pour rouler très vite dans le sable mou, il faut être. J'explique souvent aux top pilotes que l'erreur qu'ils ont tendance à faire, comme la moto, tu peux la mettre où tu veux, elle passe et t'es pas trop, voilà, t'attaques. Et souvent, l'erreur, c'est que justement, dans le sable mou, on aurait tendance à se laisser aller, à juste accélérer. Et puis, on se dit c'est bon, alors qu'en fait, il faut être très, très, très précis pour prendre de la vitesse et garder la vitesse. Mais il y a, c'est vrai que, comme tu le dis, quand on est à l'approche de Saint-Léger ou de Magescq, on cherche un peu les sables un peu plus noirs. Et quand on approche des courses comme Osgore ou comme le Touquet, on va forcément aller chercher le sable un peu plus jaune, un peu plus de plage pour retrouver. Mais à chaque fois, tu vois, quand ils sont arrivés, alors qu'ils avaient une belle saison après Graillon, on est retourné dans une partie de sable très très mou. Ben, il a fallu quand même une petite demi-journée d'entraînement, d'adaptation pour retrouver bien ses marques. Et quand on fait l'inverse, c'est la même chose. Et ça, c'est quand même. Ouais, tu as raison. Ça reste des sensations un peu différentes. On a des questions, on a pas mal de questions là dans le live, soit sur Facebook ou sur YouTube. On a Robin qui nous demande si tu penses pas que les pilotes dès le plus jeune âge doivent se confronter à d'autres pilotes. On parlait d'émulation tout à l'heure. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Je rejoins Robin. C'est-à-dire qu'en effet, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, à l'émulation. C'est-à-dire que je ne suis pas pour m'occuper, si tu me donnes un salaire et m'occuper de deux pilotes, je ne dis pas que je ne ferai pas, mais je ne suis pas branché avec ça. Après, moi j'aime bien l'émulation, j'ai toujours eu des groupes de travail et j'aime bien ce côté émulation. Mes premiers gamins, ça a été Van Beveren, Potisek, Aletru, Jason Denis, enfin des gars, tu vois, tout petits. Et on partait tous les mercredis, ils étaient 6, 7, 8, ça roulait. Et des fois, on faisait des chronos, tu faisais 2, tu faisais 4, tu faisais 5, les frères Gambala. Enfin, c'était super. Et j'ai toujours eu ça après et les générations. Et ce qu'il y avait de sympa, c'est que les grandes générations, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, c'était les Benjamin Scott. Derrière, les jeunes arrivés, c'était Potisek, Van Beveren. Derrière Potisek, Van Beveren, c'est Renault qui est arrivé avec. D'autres gars, et derrière Renault, c'était les Millau qui sont arrivés dans mes groupes. Millau, Bogdan Krajewski, Simon Deporce, et ainsi de suite. Et c'est cette émulsion avec les croisements de générations qui font qu'il y a vraiment, je pense, ça aide aux pilotes dans la progression. Déjà, ils sont pas seuls, tu es tout l'hiver. Chez nous, on est dans le nord, et tu es sous la flotte, le gel et tout. Mais les gars, ils y vont, quoi. Tu vois, ils sont contents, ils se retrouvent, ils vont à l'entraînement. Et je pense que l'émulsion, la confrontation, c'est que ça reste. Parce que, en fait, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Mais quand tu t'entraînes seul, tu peux te donner le max que tu as. Mais quand tu es seul, tu restes dans ta zone de confort. Parce que tu vas pas, voilà, tu as l'impression que tu as donné le meilleur, tu pouvais pas être meilleur. Et que voilà. Et quand vous êtes 3, 4, 5, 6, bah, tu retrouves ce qu'on retrouve en course. C'est-à-dire que ta zone de confort, elle est parfois bousculée. Et quand tu t'habitues ça à l'entraînement, bah, tu t'apprends plus vite à t'adapter, tu apprends plus vite à trouver tes marques. Quand on te sort d'un entraînement, je leur dis tout le temps aux gars, hey, c'est un entraînement, tu n'es pas content de ton entraînement. Aujourd'hui, tu as pris une petite raclée, ça fait partie du jeu, mais essaye de comprendre pourquoi et remets-toi en question. Tu peux aller chercher ça, c'était compliqué. Et c'est quand même plus facile de gérer tout ça à l'entraînement avec moins de pression que parce qu'il vaut mieux un entraînement raté ou deux qu'une mauvaise course. Donc, et après, en course, bah, je vois souvent que très rapidement, je vois que mes gars, rapidement, ils ont des solutions et je pense que c'est dû à l'entraînement qui est répété. Et qui est nos entraînements collectifs. Enfin, moi, c'est ma base, en tout cas. Et je peux te dire que, en tout cas, un Kellet, il adore ça. Dès qu'il peut se retrouver en groupe, il y va. Et que même si c'est lui le meilleur, on se met des challenges, il part avec du retard, ou il part, voilà, et ça leur fait du bien. Ça t'arrive d'avoir des pilotes à l'entraînement qui te disent, oh, c'est l'entraînement, je roule à 80%, par contre le jour de la course, je serai à 110%. Et si ça t'arrive, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça? Si tu pallies à ça, peut-être que non, tu tolères cette attitude. Je dis ça parce que y a eu des interviews d'Aldon Baker
par rapport à Cooper Webb au début, qui avait un petit peu cette démarche-là et qui disait non, mais moi, à l'entraînement, voilà, je prends plus cool, par contre, je serai un pitbull sur les courses, il n'y a pas de souci. Et Aldon Baker lui avait dit non, à l'entraînement, il faut que tu te donnes à fond comme les autres et on va prendre tes chronos et voilà, c'est comme ça que ça marche. Ben, moi, je suis un peu aussi comme ça, c'est-à-dire que. Alors, je sais que je ne leur ferai pas prendre tous les risques parce que c'est l'entraînement, mais quand le gars me dit ça, je l'écoute et j'essaye de comprendre sa stratégie. Et déjà, après, j'essaye de voir la course. C'est-à-dire que si ça marche, que le mec il est bien avec ça, j'ai pas de problème. Mais c'est quand même rare que ça marche. Je ne vais pas dire que ça marche jamais. Je ne dis pas qu'il faut être à 100% tout le temps. Ce serait une erreur, il faut savoir doser. Et même dans les entraînements, je ne leur demande pas d'être à 100% tout le temps. Il y a des phases où il faut l'être, et au contraire, il y a des phases où il faut savoir ne pas être à 100% pour progresser dans un domaine technique ou dans une approche ou dans une gestion. Et voilà, tu vas peut-être rigoler, mais j'ai déjà fait progresser des gars en vitesse en les faisant rouler moins vite. Je vais te donner un exemple. Tu veux, hein, je vais te donner une anecdote. Van de Sande. Donc, Axel Van de Sande, on préparait les courses de sable. C'était un bon gars. Et par contre, le mec, il mettait tout le temps toutes ses tripes sur la table pour faire un tour. Mais il roulait à une vitesse, mais il prenait. Et un jour, à l'entraînement, je le voyais se donner à 200%. Mais c'était pas, ça manquait un peu de construction, ça manquait de détails, de choses. Voilà. Et je lui dis, écoute, et là, il me revient de son chrono, il me dit, ah, mais Seb, là, je ne peux plus améliorer. C'est plus possible. J'ai fait le tour parfait. Parfait. Je dis, ah ouais, une 59. Ouais, j'ai ce truc, je ne peux pas faire mieux. J'ai dit, OK. Donc, puisque tu ne peux pas faire mieux, je voudrais que tu roules en 2,05. Là, il me dit, pourquoi tu veux que je roule en 2,05? Je dis, me pose pas de questions. Roule en 2,05. Il revient. Je dis, alors, tu as roulé en combien? Bah, il me dit, au moins 2,5, 2,6. Ah bah, tu étais en 2,02. Ah, je veux que tu roules en 2,05. Ah, il revient, j'ai 2,03. Ah ben non, mais je veux que tu roules en 2. Mais ça a duré 30 minutes l'histoire. Quand il était à 2,5, je lui ai dit maintenant tu vas être en 2,3. Et ainsi de suite, en 2,2, en 2,0. Tu sais en combien il a fini? En 1,56 500. Et le mec, il avait fait 5 tours et il avait fait le tour parfait. Et il me disait en 1,59, je ne descendrai jamais en dessous de ça. C'est pas possible. Parce que il faut de la méthodologie parfois, il faut prendre le temps de t'organiser dans ta technique pour progresser, évoluer. Et à la fin de la journée, il avait gagné 2,5 secondes sur son temps, dont il pensait que c'était parfait. Mais au début, quand je lui ai demandé de rouler en 2,05, il me regardait avec des yeux, il dit, mais pourquoi tu veux que je roule 5 secondes moins vite? Et après, il Ouais, a c'est compris. dur pour un pilote Ouais. d'accepter en Et fait. c'est, tu sais que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à gagner des courses. Et ça, c'était une semaine avant son Beach Cross de Berck. La première victoire de sable. On voit que tu as beaucoup de recul par rapport au sport où j'ai l'impression que d'autres entraîneurs vont être focus sur la technique, le pilotage, technique, pilotage. Toi, tu vas peut-être sortir un peu de ça et essayer de voir l'aspect humain qu'il y a derrière, essayer d'aller, comme tu as dit tout à l'heure, sur la psychologie. Est-ce que ça, tu t'inspires d'autres sports? Parce que je sais que dans le tennis, par exemple, il y a un aspect psychologique qui est énorme. En général, un bon entraîneur de tennis, ce n'est pas celui qui va apporter la technique, c'est celui qui va arriver à faire switcher au niveau mental pour gagner les sets d'après. Est-ce que toi, ça t'arrive de t'inspirer d'autres sports ou d'autres Déjà, techniques? l'inspiration, c'est comme je te l'ai dit, j'entraîne des gars dont j'ai jamais eu le niveau et je m'en suis jamais caché, tu vois. Et moi, je vais pas dire aux gars, attends, moi je faisais ça ou je faisais comme ça, tu vois. C'est déjà, même un débutant ou quoi que ce soit, c'est très rare que j'utilise mon expérience personnelle, même si j'ai pris beaucoup de plaisir et que j'avais une certaine reconnaissance technique dans mon milieu quand je pratiquais à l'époque. Mais par contre, je suis toujours parti du principe que pour faire comprendre aux gars comment ils devaient progresser, ils devaient tout simplement comprendre ce que tu voulais lui expliquer. Et pour moi, il est important quand tu expliques un geste technique, quand tu lui expliques, la personne d'à côté qui a jamais entendu parler de moto, il est capable de comprendre et qui serait presque capable de le réaliser. Ça, c'est la base. Voilà. Et la deuxième chose, ben, l'inspiration, c'est. Hein, tu vois derrière, il y a des livres, il y en a beaucoup à mon épouse, mais on lit énormément. J'ai lu,
je pense, la vie d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'athlètes de tous les sports, parce que ça m'intéresse, la vie des athlètes. La vie des athlètes, elle m'intéresse parce que c'est là où j'ai aussi appris qu'un athlète, c'est d'abord un homme, et que la confiance en soi, le regard de soi, le regard des autres, c'est un élément hyper important dans lequel il faut savoir s'attacher ou se détacher. Et puis ensuite, ils ont tous des histoires quand ils étaient gosses, quand ils étaient gamins, toutes tellement différentes. Il n'y en a pas un qui se ressemble. J'ai lu Nadal, j'ai lu Douillet, j'ai lu... Enfin, je ne peux pas te dire tout ce que j'ai lu, mais ça m'a plu énormément. Beaucoup de bouquins aussi d'entraîneurs. Mais donc voilà, donc, en effet, l'aspect... je dis tout le temps que coacher, c'est d'abord regarder, observer, écouter, comprendre, et seulement après analyser, et seulement après c'est parler. Et je crois que la grande erreur souvent qu'on aurait tendance à faire, c'est de vouloir parler ou échanger les choses, alors que tu pars et alors qu'il faut prendre le temps. Si tu viens faire un stage chez moi, je vais pas te raconter la messe et te dire 10 000 trucs. Alors maintenant, aujourd'hui, à 46 ans, ça fait 23 ans que je fais mon métier, peut-être que j'ai plus de facilité à détecter des choses et des points. C'est vrai que j'adore ça, regarder des nouveaux pilotes et les observer, et dire tiens, regarde, ça attaque. Mais tu dois d'abord l'écouter, la façon dont il parle, parce qu'en fait, il pratique tout ça. Il pratique exactement la moto avec leur sensibilité intérieure. Et si je te dis Milko, c'est quelqu'un très sensible, hyper sensible, qui aime pas la brutalité. C'est pas un mec qui, tu vois, c'est pas un mec qui va taper sur la table et qui va chercher à se battre avec tout le monde. C'est pas Milko, ça. Milko, c'est un mec intelligent, avec une bonne sensibilité. Et pour être, c'est comme un Marvin. Moi, j'ai eu Marvin une deux fois en stage quand il était petit, Marvin Musquin. Alors, j'ai jamais été son entraîneur à Marvin, attention, hein. Il est juste venu faire deux stages de perfectionnement, donc je vais pas m'approprier ce qui n'est pas à moi, mais c'est des gamins, c'était des hypersensibles à la base. Mais c'est, tu peux pas avoir cette hypersensibilité, tu peux pas leur demander d'être hypersensible sur la moto pour être hyper technicien et ne pas l'être dans la vie et en dehors. Donc, tu vois, il y a vraiment un rapport. Et à l'inverse, si je te décris Maxime, ça a manqué longtemps de sensibilité sur la moto, parce que Maxime, c'est un mec qui tape sur la table et qui fonce, c'est un mec explosif qui est capable de passer à travers tout pour gagner, et ben ouais, donc il a fallu lui faire découvrir la technicité, comment il pouvait aider sa moto avec son corps, comment il pouvait aider, comment il allait, tu vois, quand avec ses parents on s'est posé la question un moment avec Maxime Renaud, il est passé en 125 à l'âge de 12 ans. Alors ouais, il était, et je me souviens d'avoir échangé avec eux, parce que c'était pas une décision facile à prendre, c'est toujours aux parents et aux pilotes de la prendre, et j'avais juste dit le premier intérêt que moi je pourrais avoir en tant qu'entraîneur de faire rouler en 125, c'est que peut-être la seule fois de sa vie qu'il aura une moto, un corps trop petit pour la moto, ou un peu juste pour la moto, alors que d'habitude ça fait des années qu'il roule avec un corps grand pour la moto. Et peut-être qu'il va apprendre beaucoup de choses en quelques mois. Et c'est vrai que c'est là qu'il a mieux compris les trajectoires, comment aider la moto. Donc, tu vois, si tu dissocies l'homme du pilote ou la femme du pilote, ben, il te manquera toujours quelque chose pour les aider sur la moto, en fait. Et ça, c'est la base. Et si je te raconte Usain Bolt quand il était petit, tu hallucinerais, parce que j'ai lu sa vie et jamais tu pouvais penser qu'il allait être l'homme le plus rapide du monde. Ah, c'est intéressant ça. D'ailleurs, ça, j'y pense tout à l'heure, j'ai vu passer un commentaire quand tu parles de l'homme le plus rapide du monde ou la femme la plus rapide du monde. Est-ce que tu coaches aussi des féminines ou pas? Ouais, alors j'en ai. Alors c'est toujours un plaisir de coacher les féminines. Alors en effet, alors Mathilde Denis, je l'ai eu quelques années. Et on a retravaillé ensemble cette année. J'ai eu. Alors en ce moment, Mathilde avait un programme très chargé avec Honda. Je l'ai un peu moins vu. Elle avait aussi. Intégrer le team et elle s'est donnée à 100% avec Honda, mais on a bien bossé cette année, on avait démarré bien le sable. Et puis j'ai bossé un petit peu aussi avec Amandine Verstappen, donc c'est toujours c'est pareil, c'est encore une fois de plus différent, un petit peu différent, pas qu'un homme et une femme est différente, mais ils ont la vision parfois un peu de la prise de risque un peu différente, et c'est vrai que c'est encore un autre travail sur l'aspect mental et psychologique, mais c'est passionnant, très passionnant.
plus important avec une féminine qu'avec un homme, l'aspect psychologique, mental ou pas? Je dirais pas plus important, je dirais différent. Parce que pour moi, c'est aussi important chez l'homme que chez la femme. Je dirais juste qu'il faut avoir une approche souvent un peu différente. C'est-à-dire qu'une femme, elle est, enfin, en général, je dis, attention, je parle de généralité, hein, bien sûr, hein, je ne veux surtout pas rentrer dans du sexisme, mais en généralité, elles sont plus terre à terre et donc elles ont plus rapidement un rapport plus rapide aux conséquences. Tu vois, elles vont plus te parler, ah non, mais là, la moto, elle bouge, hein. Si ça part, ça part, hein. Là, je suis pas bien. Alors que les gars vont moins en parler ou vont peut-être moins être, ils sont un peu moins terre à terre et vont réfléchir un peu après parfois. Donc c'est une approche vraiment. Mais voilà, après, c'est super intéressant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont aussi souvent plus de sensibilité technique. Parce qu'elles ont vraiment besoin, pour rouler vite, de pallier des conséquences musculaires, être moins. Donc elles vont vite comprendre techniquement, je trouve, plus vite souvent, la façon dont elles peuvent utiliser leur corps et mettre au service leur corps pour la moto. Tu as parlé de Honda justement avec Mathilde Denis. Combien de fois par an ils sonnent ton téléphone avec écrit Honda dessus? Ou combien de fois Honda appelle Milko et Todd pour essayer de récupérer, pour essayer de vous récupérer, de récupérer la recette magique, si ça arrive? En fait, ce que j'allais Ben, dire, moi, c'est que tu en as parlé, tu travailles pour Yamaha. Chez Yamaha, il y a un ouais. staff, y a, bon, la Bon, moi, moto est chez top. Honda, Honda La m'a moto est jamais top, mais appelé. Bon, déjà, je. ils ont déjà quelqu'un de très compétent en la personne de Christophe Meyer. Je trouve que c'est, quand je le vois travailler, je trouve que c'est un mec qui sait bosser. Et Christophe, c'est un, je pense, un excellent entraîneur. Donc, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de mes services. Et puis ensuite, Ah, du ensuite, non, package j'ai complet, pas. moi, je me disais, Voilà, alors tu sais, c'est vrai c'est. qu'ils doivent se dire, ah, purée, ça, là, pendant quelques années, ça va être compliqué pour nous, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ils travaillent en tout cas dans le bon sens pour aller enfin, gagner, je trouve. Après, voilà. Et maintenant, c'est que tu sais, c'est toujours une notion de contrat. Et c'est sûr que un Kellett ou un Potisek reçoit des coups de fil au moment où c'est possible, tu vois. Donc, ils savent si les contrats s'arrêtent ou pas, et c'est normal qu'il y ait ce genre d'échange. Mais ça, c'est tout à fait logique et normal. Et pas même le pilote, parfois, il se dit, bon, mais voilà, est-ce que c'est l'offre et la demande? C'est aussi comme ça que les cotes se montent, et c'est dans tous les sports. Toi, tu nous as dit que ça faisait un moment, ça fait plus d'une vingtaine d'années que tu fais ça, c'est ça? Que tu es Ouais, coach? 23 ans, 23, 24 ans, ouais. Exactement. Quelle a été pour toi la plus grosse évolution par rapport au pilote, on va dire, un, du point de vue pilotage, donc la plus grosse évolution, enfin, on va dire, en quoi tu viens plus en aide maintenant? Peut-être qu'avant, c'était plus, je ne sais pas, moi, rouler debout, maintenant, c'est plus sur la terre, essayer de faire des amortis. Donc là, c'est la partie pilotage et la partie hors pilotage, c'est-à-dire tout l'entourage. Est-ce que tu as vu en 23 ans des évolutions à ces deux niveaux? Ouais, je pense que tu sais, enfin, notre sport, hein, je vais parler de notre sport, mais notre sport évolue et c'est je vais dire, quand j'allais sur les Grands Prix, par exemple, en 2012-2013, ils étaient 25% des pilotes à rouler en pointe de pied. Aujourd'hui, c'est 100% des pilotes qui roulent en pointe de pied. Alors, le trois quarts pied. Et ça a été une période. Maintenant, on n'est plus aux trois quarts pieds. On est carrément à la pointe. Tu vois de plus en plus de pilotes qui roulent pratiquement plus qu'avec les orteils sur le cale-pied. Et ça, c'est une motocross moderne passe par là. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Moi, je suis très, très carré là-dessus. C'est le placement des pieds. Et c'est ce que je réclame en premier, en fait. Il y a les trois règles du pied. Pied reculé, fermé et serré. Et il y a une grande différence entre les avoir légèrement ouverts à 1 cm du cadre et les avoir rentrés dans le cadre. C'est énorme la différence. Donc ils doivent vite, vite comprendre ce que c'est. Et puis il y a un deuxième point important où j'attache de l'importance, et je pense que ce sera le motocross moderne. C'est en train d'arriver. Et j'avais fait cette analyse-là, moi, avec l'athlétisme, quand j'avais un peu, me suis intéressé à l'athlétisme, c'est pour donner de la puissance aux jambes et de libérer les bras.
c'est ce qu'on appelle l'antéversion et la rétroversion du bassin. Alors, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore beaucoup techniquement dans le milieu de la moto, mais je pense que dans 10 ans, on en parlera beaucoup. J'y accorde beaucoup d'importance, c'est-à-dire que si tu bascules ton bassin d'une certaine façon, eh ben, tu peux t'apercevoir que tu auras un plus un pilotage avec les bras ou avec les jambes. Et si tu fais basculer ton bassin vers l'avant, tu vas creuser légèrement le dos et tu vas donner de la puissance à tes jambes et tu vas libérer un peu ton haut du corps. Alors que si tu fais basculer ton bassin en arrière, c'est l'inverse. Tu vas avoir un peu les jambes coupées et tu vas donner de l'importance à ton haut de corps. Et ça, voilà, tu regardes les boxeurs au moment où ils veulent frapper fort avec le haut du corps, ils placent leur bassin un peu différemment que ce qu'on nous on aurait besoin pour rouler en moto techniquement avec les jambes. Voilà, ça c'est des points importants. Et je le retrouve là, si tu me parles de l'évolution de technique, moi la génération qui me plaît, c'est Jet Lawrence, c'est toute cette Sexton. génération. Ouais, Sexton, c'est ça. Sexton, cherchait son nom. Voilà, c'est ça. Sexton, c'est ces mecs, si tu les regardes rouler, les pieds, les jambes, le bassin, ça se rapproche déjà. Et puis je pense que s'il y a encore une évolution de technique, elle est d'ordre sur les pieds calpiers. On les sort de moins en moins et je pense que dans 7-8 ans vous verrez peut-être j'ai des vidéos hein, parce que je filme beaucoup moi j'ai des vidéos c'est Keroli je trouve qui a amené ça à notre sport Antonio Keroli Le fait je trouve de passer debout souvent, de rester sur un appui sur. debout Ouais, si, debout ou mais il même était sur les s'asseoir calepieds. sans enlever les pieds des calepiers tu vois. Il gardait beaucoup, 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 beaucoup les pieds sur les calepiers, oui. Et ça sortait, et il sortait le pied tard, il remettait tôt. Et je pense aussi que c'est devenu important et que voilà, c'est des choses qu'il faut savoir travailler. On a beaucoup de questions. On en avait une de Jackie tout à l'heure qui nous demandait ce que tu pensais de la piste de cette année au Touquet. Lui, personnellement, je ne retrouve pas sa question. Voilà, je l'ai là, je l'affiche. Lui, personnellement, il trouvait ça un petit peu plus rapide. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? C'est sûr. Même les pilotes partageaient cet avis, c'était rapide. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, il faut savoir une chose, puisque les teams on participe à des réunions avec les organisateurs avant les compétitions, ce qui permet de comprendre un peu mieux parfois les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, il faut juste savoir que l'organisation de l'Enduropal du Touquet, entre tout ce qui est cordon de dunes, donc entre Stella et jusqu'au Touquet, il est devenu impossible de remuer le sable, c'est-à-dire interdit. C'est-à-dire que l'organisateur n'a pas la possibilité ni de faire de cordon, ni de faire de bosse, ni de faire quoi que ce soit des vagues pour pouvoir. C'est-à-dire qu'à hauteur du pied de dune, je ne connais plus la distance, il devait être 20 ou 30 mètres, le sable ne devait pas être remué par des engins mécaniques. Donc ils n'ont eu que la seule solution, c'est de faire des S. Alors peut-être en prévoir un peu plus, pourquoi pas. Mais il y a toujours aussi cette phobie. Souvenez-vous, je pense que l'organisation, pour le côté sport, a aussi la phobie du fameux bouchon qu'on ne peut plus contenir et dont on fait gagner ou perdre une course à des équipes ou à des pilotes sur je coupe le cordon, je ne le coupe pas, je rentre dans le bouchon, j'y rentre pas. C'est toujours assez compliqué. Donc oui, je pense qu'en effet, c'était à mon goût un peu rapide. Peut-être qu'on peut encore amener des choses, mais en tenant compte des obligations et de ce qui est imposé à l'organisation, c'est pas toujours simple. Si vous revenez sur le Touquet, la partie plage était beaucoup plus technique parce que l'organisation, et dont David Hoquier qui gère ça très très bien, avait plus de liberté pour pouvoir le faire. Question On pointe de repasse. pied de Ouais, Mika qui nous justement. demande C'est la comment question mettre que le pied je gauche au voyais. point de pied alors qu'il faut souvent changer de vitesse. Ouais, ça s'appelle la rééducation, Mika. En fait, il faut passer du temps, il faut y passer du temps. Je dis tout le temps, j'utilise ce mot, c'est rééduquer. C'est-à-dire que tu t'es habitué à passer tes vitesses d'une certaine façon, à avoir ton pied statique. Il faut rééduquer tout ça. Et pour ça, le conseil que je pourrais donner quand on veut progresser, et c'est ce que j'essaye de souvent donner comme conseil, plus tu vas alléger ton environnement, c'est-à-dire que faut commencer peut-être en prairie. Je conseille toujours, quand tu veux progresser techniquement sur des détails, il faut essayer de simplifier ton environnement. Si tu roules sur une piste où tu sautes un saut, qu'il y a des trous, des ornières, qu'il faut prendre les freins, réaccélérer, mettre ta jambe,
ton cerveau, il a 10, 12 informations tous les 3 secondes à gérer. Et là, bah, tu passes très peu de temps et là, ça devient compliqué à apprendre à déplacer ton pied. Maintenant, tu sors, tu simplifies ton environnement, tu vas en prairie, il n'y a rien, il n'y a pas de virage, il n'y a rien. Et là, ton cerveau, il va se reposer, il va prendre du temps, il va pouvoir se concentrer plus facilement à la mise en place de tes nouvelles consignes et de ta rééducation. Et ça, c'est la base. Quand tu veux progresser, il faut savoir parfois, quand je disais tout à l'heure, bah même un pilote pro, il doit avoir encore ressortir les... Et Michael Pichon, on parlait souvent, et c'est vrai, Michael, il est plein de ressources, que quand il s'entraînait, il mettait encore deux plots ou deux pneus dans une prairie. C'est pour tout ça, c'est parfois pour resimplifier un petit peu l'environnement où tu roules, qui va permettre à ton cerveau de se reconcentrer sur des détails, et notamment bah là, si c'est le pied par rapport au sélecteur de vitesse ou le frein, eh ben, ça te permet que ton cerveau soit plus concentré et d'automatiser. C'est pas la fin de soirée. C'est différent. Non. Ça va devenir plus automatique et plus facilement. Et du coup, tu vois, moi, j'ai roulé depuis un moment niveau correct et j'ai jamais pris le temps de faire ça, de m'entraîner à ça, justement, à rouler sur la pointe des pieds et à m'habituer à ça, tout simplement parce que j'ai jamais vu le réel intérêt. Pour moi, oui, on me dit à chaque fois, t'as un amorti supplémentaire qui vient de la cheville, d'accord ? Mais est-ce que toi, tu peux nous dire tous les avantages que tu as à rouler constamment sur cette pointe des pieds ? Alors, déjà, l'intérêt, il est encore plus important dans le sable en motocross, même si en motocross il est indéniable, parce que ça recule ton poste de pilotage, c'est déjà une base. Et la pointe de pied, elle devient, je vais dire, efficace à partir du moment où il y a une réelle coordination et un réel travail mis en accord. Reculer tes pieds simplement, ça va pas t'aider à grand chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec les petites 6-7 ans là, qui démarrent la moto, à leur faire rapidement poser les pieds correctement, c'est que toute ta chaîne d'équilibre, elle va passer par tes appuis. C'est-à-dire que tes premiers appuis importants en moto, on a 5 appuis quand on pratique la moto, les deux mains, les deux pieds et le bassin. Et ce sont des points d'appui sur la moto qui vont venir en contact et pouvoir te servir de ces appuis. Et les premiers appuis dans lesquels tu vas trouver ton équilibre sont tes pieds. Et si pendant des années, tu as roulé en pied classique, eh ben, tu as aussi placé ton genou à un certain endroit et tu as placé ton bassin d'une certaine façon et tu as placé ton haut de corps d'une certaine façon. Et si tu fais simplement que de bouger tes pieds et d'essayer de comprendre ce qui se passe quand tu bouges tes pieds, bah, tu n'y vois pas réellement de l'intérêt. Et là, je te rejoins 200%, Blaise. C'est que l'intérêt, il est vraiment mineur quand c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut tout désorganiser pour tout réorganiser. Reculer ses pieds, c'est en effet avoir une flexion de cheville possible. Quand plus le pied est en avant, plus ta cheville elle va être verrouillée. Mais c'est aussi avoir la capacité d'avoir un genou beaucoup plus ouvert et moins fermé, puisque tu as ta cheville qui va pouvoir descendre et ton genou venir se redresser un petit peu. Tu vas pouvoir ramener ton centre de gravité un peu plus en accord avec le centre de gravité de la moto et donc avoir la possibilité de libérer un peu plus tes bras. Mais ça, il faut des heures et des heures et des heures de pratique. Je me souviens que le premier pilote avec qui je me suis vraiment acharné sur la pointe des pieds, c'est Van Beveren. Et on a dû commencer ça en 2013. Et on a finalisé ça en 2015 ou 2016. Tu vois, donc ça a pris presque 2 ans et demi, 3 ans avant que ce soit bien abouti. Et Todd, par exemple, Todd Kellett, il est arrivé dans les premiers entraînements, il roulait carrément en talons et en pied en canard, et avec les genoux en avant. Et pour te donner une anecdote, pour répondre un peu à ta question, et je me souviendrai tout le temps de ça, et je lui disais, mais tu ne peux pas rouler comme ça, ce n'est pas possible, ta moto, elle fait des gauche-droite. Il ne s'en rendait pas compte, l'arrière, il faisait gauche-droite, gauche-droite. Et à un moment, je prends un secteur à l'une d'une longue ligne droite, où il y avait beaucoup de trous, et je le voyais passer à fond de trois là-dedans. Et la moto, pas au rupteur, mais bien, bien haut dans les tours. Et je lui dis, hey, Todd, ça, tu dois passer en 4 maintenant. OK, pas de problème, il part en 4. Et là, il en fait 2.
Et là, la moto, elle bougeait encore plus parce qu'elle prenait plus de vitesse. Et il revient, il dit, ah, no possible, c'est no possible, dangerous, very dangerous. La moto, elle bouge dans tous les sens. Je dis, ouais, c'est vrai. Recommence, recule tes pieds, pointe de pied, tu te concentres, tu recules tes genoux, tu m'amènes un peu plus haut ton bassin. Et là, il me refait trois passages. Et là, il me dit, ah, magique, Seb, magique. Tu vois, donc, en effet, c'est... Je reviens sur les conseils qu'on va nous donner parfois, et il faut aller vraiment loin en détail parce que ton athlète, si tu ne lui fais pas comprendre le réel intérêt, parce qu'il y a les phases de transition dans la progression. Et comme je dis tout le temps, Blaise, tu n'as pas de baguette magique, et moi non plus. Et ce n'est pas parce que tu vas mettre tes pieds que ça va être magique. Et ça, je te rejoins à 300%. Il faut rapidement essayer. Tu sais, c'est comme une description, c'est comme une notice. Bah, tu as des étapes. Et à l'étape 1, ton meuble, il n'est pas monté. À l'étape 1, tu fais que le début, comment tu vas. Et pour arriver à l'étape 10, ben, il y a des étapes intermédiaires qui font que quand tu fais comprendre ça aux athlètes ou aux pilotes, ça se construit naturellement. Mais en effet, c'est aujourd'hui, la pointe de pied, pour moi, c'est indissociable du pilotage technique. Et j'ai des amateurs, hein, j'ai des pilotes amateurs. J'ai un gars là qui travaille dans le bâtiment, qui a 40 ans. Il roulait en talons et en genoux. On est 2 ans après. Tu le vois rouler, il prend un plaisir dingue. Il est en pointe de pied, il a les jambes. Alors, il n'a pas la vitesse d'un petit sec, mais il se fait plaisir et tu le vois progresser, évoluer. Et c'est hyper important. Tu as fait un stage gratuit encore, Blaise. Tu vas te remettre au sable, toi. Un stage gratuit qui va durer 2 ans. Si c'était si simple. C'est bien d'en parler parce qu'on a beaucoup de personnes. J'en croise souvent des personnes qui me disent « Ah ouais, ben je vois, j'ai essayé de m'entraîner à rouler sur la pointe des pieds, j'arrive pas. » Mais comme tu dis, en fait, c'est pas seulement rouler sur la pointe des pieds, c'est arriver à comprendre pourquoi on va rouler mieux. Ensuite, ouais. Quand on a compris pourquoi on va rouler mieux, c'est se dire « Oui, il y a la pointe des pieds, mais il y a tout le reste, il y a tout le placement du corps qui va aller avec ça, il y a tout. » Donc c'est pas seulement rouler sur la pointe des pieds, carrément. C'est changer beaucoup de choses en fait. Carrément. Bon, en tout cas, on a beaucoup de monde hein, qui fait des éloges. Fred qui nous dit un super coach, toujours à l'écoute de ses pilotes de tous les niveaux. On a Valentin Madoulou aussi qui nous a rejoint, qui nous dit hello. Hey, Valentin, salut. T'as bien roulé Valentin cette saison aussi. Ouais, je suis content. Alors je suis un petit peu déçu pour lui parce que les résultats n'étaient pas là. Ce qu'il nous a montré sur le même en course, il roulait vraiment bien. Maintenant, il doit encore apprendre à gérer certains aléas de course. Mais ça, c'est de l'expérience. Il est jeune, hein, 19 ans, 20 ans, 19 ans. Donc, tu vois, c'est encore jeune pour les courses de sable. Mais une très grosse progression. Ça fait 2 ans que je travaille avec Valentin. Alors, c'est pareil, hein, ce n'est pas des pilotes que j'ai à l'entraînement sur chaque entraînement. Valentin, je dois le voir une dizaine de fois dans l'année, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et puis, je suis là pour eux sur toutes les compétitions. On parlait de la partie mentale. Il a fait un gros boulot là en un an parce que Valou, c'était quelqu'un qui se pesait. Alors, si moi, je me pose 10 questions à la seconde, lui, s'en passait. Il se posait 100 questions à la seconde. Et aujourd'hui, on a divisé par 3 le nombre de questions à la seconde. Et ça avance bien, ça va dans le bon sens. Et je suis vraiment content. C'est un mec cool avec un bon entourage. J'avais envie de dire un mot, tiens, si, puisque tout à l'heure tu m'as parlé d'entourage, t'as parlé d'entourage ou je sais plus bien, mais tu sais, dans le coaching, c'est vraiment, moi je reste quand même adepte de l'état d'esprit, et aujourd'hui l'entourage il joue un rôle tellement important chez l'athlète, chez n'importe quel athlète, et c'est que ça reste quand même dans ce que je vois à la base. Alors chez les enfants, c'est pas simple parce que l'entourage, c'est la famille proche. Chez les athlètes de haut niveau, ils ont soit des gens autour d'eux ou autre. Et là, l'entourage joue un rôle dans le positif comme dans le négatif, hein, dans les deux côtés. Hein. Des fois, vous avez des gens autour de vous qui vous jouent un rôle exceptionnel. Hein. Je veux dire, qui savent être à l'écoute, la compréhension. Et des fois, je pense que l'entourage, ça reste une clé déterminante. Après, c'est sûr, hein, quand on parle d'adultes, ben, c'est à eux de faire leur choix et de sélectionner le bon entourage. Mais chez les jeunes, c'est pas toujours évident. Mais ça reste une clé pour moi importante. Vous me parliez de Todd Kellett. Guillaume disait ça, je l'ai lu et c'est vrai qu'il avait raison. Guillaume Davion de chez Dragon Tech. Un mec comme Todd Kellett, il a pas d'ennemis, il n'a pas d'amis, il est tout seul, il fait son truc avec sa femme. Et en termes d'entourage, tu peux pas plus. Pour nous, en tant qu'entraîneur ou manager, tu peux pas mieux, quoi. Tu vois, c'est tellement simple à gérer, tellement simple.
Le mec, il est là, il arrive, sa femme, elle est au second plan, elle est là si elle a besoin d'être là, mais elle est au second plan, et le mec, il est là, comme ça, il attend le job. Donc forcément, c'est hyper important. Mais voilà, après, tu parlais de ça, c'était un petit clin d'œil là-dessus, mais le coaching, des fois, on me dit qu'il faut coacher, mais ouais, j'ai presque envie, des fois, et c'est presque... Ah, je vois, c'est Fabien. Ouais, bien Fabien, sûr. ouais. Ouais. Ah, je l'adore. Ah, mon pote Fabien. Eh ouais. Mon seul problème, c'est qu'il est du Nord. Mais c'est parce qu'il n'y vient jamais dans le Nord pour dire ça. Après, Fabien, c'est pire que nous. Et quand il parle avec son accent dans le Nord, à mon ouais. avis, Non, mais personne ne je l'adore. comprend. On passe du temps ensemble tous les ans. Là, je vais bientôt le rejoindre chez lui, là, dans une semaine et quelques. Et c'est un mec adorable, adorable, adorable. C'était un bon pilote. Et j'aime bien quand il accompagne un peu mes pilotes. Il vient de donner un petit coup de main et tout. Fabien, c'est un mec au top. Voilà. Bon, ben très bien. Bon, désolé, il y a beaucoup, ils ont senti la fin du live arriver. Les questions s'affusent. Tu pourrais y revenir dessus si tu le souhaites, Ouais, pas de Sébastien, problème. si tu souhaites répondre à certains. Si tu as encore une ou deux questions, il n'y a pas de problème. Allez, rapidement, parce qu'on l'a eu plusieurs fois. Il y en a qui veulent des anecdotes. Allez, celle de Vincent. Quelle est la victoire au Touquet qui t'a donné le plus d'émotions? VBA, Milko, Todd, et pourquoi ce choix? Pas très bonne question. Je vais y répondre. Je réfléchis un petit peu. C'est pas évident comme question, ça, quand même. Ouais, j'en ai Oh, une. Bah déjà, c'est toujours beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Alors, j'arrive plus à me souvenir. Elles ont toutes une émotion un peu différente. Je rappellerai que les émotions, on dit, et ça, même les pilotes, quand ils montent sur le podium, alors, c'est vrai que des fois, on me voit beaucoup à l'arrivée. Et des fois, je me dis, ah, des fois, parfois, l'impression que je veux me montrer. Et ce n'est pas du tout l'idée. Parce que quand tu arrives à l'arrivée, la première chose que tu as envie, c'est... Moi, j'ai ce besoin de voir ce contact physique avec mes pilotes. Parce que je suis quelqu'un, tu vois, je vais taper... Les mecs, je tape sur l'épaule toute l'année. Enfin, tu vois, Et ce contact physique où on retrouve un peu ce partage d'émotions, j'aimerais juste rappeler que l'émotion, on dit, ouais, il partage le bonheur. Mais en fait, ton bonheur, il vient de tout ce que tu te rappelles des galères que tu as passées, des semaines et des mois sous la flotte, sous les blessures, sous les problèmes, sous les contraintes pour arriver à ce résultat, en fait. Et il se passe tellement de fois où tu passes à côté du truc, il se passe tellement de fois où tu as été mauvais, il se passe tellement de fois où tu te remets en question, il se passe tellement de fois où tu doutes, que quand ça arrive, c'est indescriptible, en fait. Et voilà, alors moi je suis plutôt quelqu'un d'entier, donc je vais pas être dans la retenue quand ils sont à l'arrivée. Et des fois je regarde et je dis, ah putain, je suis encore là, je devrais peut-être pas y être parce que après ça fait un peu tu m'as vu quoi. Et alors que mon seul truc c'est de sauter dans. J'aimerais bien qu'il y ait une arrivée et qu'après seulement on puisse. Mais c'est. Voilà, c'est pas possible, mais c'est un contexte. Donc, les émotions, elles ont toujours été là, parce qu'une victoire, c'est jamais simple. Donc, quand tu y arrives, ben, c'est un but. Mais il y a quand même une plus importante que d'autres. S'il y avait une anecdote, en fait, je bois pas d'alcool, donc je sais pas ce que c'est de me mettre la tête à l'envers. Et il y a eu une arrivée quand l'année où Adrien gagne devant Axel, donc c'était la première fois où j'avais deux pilotes sur le podium. C'est aussi une année, c'est donc 2016. En 2015, Mathilde Denis est championne de France, Maxime Renaud est champion de France junior, champion du monde junior, Florian Millot est champion de France 65, Matteo Millot est vice-champion de France cadet. Tout ça, ce sont des pilotes avec qui je travaille depuis quelques années. Et dans l'hiver, au Touquet, Millot gagne en 85, Maxime fait deux à l'Enduropal. Peu de rien, une demi-seconde, et t'as tes deux favoris qui font un et deux sur la plus grosse course de sable que tu prépares. Et là, à l'arrivée, honnêtement, j'étais dans un état complètement second. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le surplus d'émotions. Et je me souviens, il y a des journalistes qui viennent me voir et tout. Je comprends à moitié les questions, je réponds comme je peux. Et là, je suis à moitié et j'ai une émotion. Ça m'a dévasté pendant au moins. 5-6 minutes, mais quand je te dis dévasté, tu t'assois et là, tu es scotché, quoi. C'est des émotions
Alors forcément, il n'y a rien de plus fort que mon mariage ou la naissance de avec mon épouse ou la naissance de ma fille. À ce jour dans ma vie, rien de plus fort. Mais cette émotion, je l'ai ressentie qu'une fois. Je pense que c'était l'accumulation, tu vois. Et ça a vraiment été fort. On a une petite question, on avait posté le lien pour avoir une question en direct live en visio. Alors, il n'est pas en visio, mais on a Pierre qui souhaitait poser une question. Bonsoir Pierre, tu peux poser ta question tout de suite en direct à Sébastien Sago. Bonjour Pierre nous a Pierre. rejoint sans micro. Il faut juste que tu actives le micro, Pierre, et puis après on sera bon. Allez, en attendant, on va. Ouais, c'est bon Pierre, on t'entend. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Salut Seb, Bonjour Pierre. J'ai fait le Touquet cette année et puis j'aimerais bien progresser l'année prochaine. Et je voulais savoir si c'était possible de rejoindre ton collectif Sable l'année prochaine. D'ailleurs, on a eu beaucoup de fois la question en commentaire, donc ça va servir à beaucoup de personnes. Ouais. Ben oui, alors c'est ce qui est fou, ouais. C'est vrai que là, on n'est qu'à 3 jours après le Touquet, et alors j'ai à mes côtés une équipe déjà formidable. J'en ai pas encore parlé, je vais prendre le soin avant de te répondre, Pierre, te dire qu'aujourd'hui, mon enseigne s'appelle MX Pilotage. C'est le premier nom que j'ai donné à mon école de pilotage, et c'est toujours le nom de mon école de pilotage. MX Pilotage, pendant 20 ans, s'est reposé que sur moi-même, et c'est vrai que j'avais de plus en plus de demandes de gens qui vous souhaitaient acquérir les conseils. Et depuis maintenant 4 ans, je peux m'appuyer sur une superbe équipe qui sont Thierry, Arthur, Stéphane et Sylvette, qui est mon assistante, et d'autres pilotes de bon niveau qui viennent nous aider. Enfin voilà, et c'est vrai que on a des programmes, c'est-à-dire que aujourd'hui, que tu sois enfant ou débutant, j'ai différents programmes. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que je suis à Loon Plage l'hiver du mardi au vendredi soir. Je commence le mardi cette année. C'était les pilotes pro le matin, et l'après-midi les pilotes pro, le mercredi les espoirs et les juniors, le jeudi les pilotes compétition et le vendredi les pilotes amateurs. Donc, comme vous pouvez voir, j'avais différents programmes, et donc. En effet, vous avez la possibilité de me rejoindre. Il suffit de contacter Sylvette, qui est mon assistante. Je vous donnerai les coordonnées. Et il faut s'inscrire. Alors, il faut juste savoir que depuis maintenant 3 ans, je mets en ligne les programmes vers début août, et que souvent avant le 15 août, tout est rempli, quoi. Parce que voilà, mais n'hésitez pas à vous mettre sur les listes d'attente. Il y a Ouais, déjà des site listes. internet, Sébastien? Alors, j'ai pas de site internet, tu vois, je suis tellement bon dans tous ces domaines que non, non, j'ai pas de site internet. Par contre, j'ai une page Facebook. N'hésitez pas, sur la page Facebook Sébastien Sago MX Pilotage. Sur cette page, il y a les coordonnées de Sylvette, que vous allez pouvoir, mon assistante, directement voir avec elle. Elle va vous lister et on va vous recontacter dès que les programmes sont sortis. Mais ce sera avec plaisir, Pierre, en tout cas. Combien tu as fini alors, Pierre, cette année? Je finis 80 avec 3 entraînements à Loon Plage, 3-4. Super, super. Mais ben c'est top. C'était ton premier enduropale? Junior, ouais. Ah oui, en junior. Ok, j'avais pas Oui. compris, Pierre. Oui, donc ok, ben oui, donc en effet. Et tu as quel âge maintenant? 16 ans. Du coup, Ouais. l'année prochaine, normalement, je peux le refaire une fois, mais c'est pour ça. Eh ben, n'hésite pas, Pierre. Souvent, les juniors, c'est le mercredi. Mais tu verras qu'on a un programme avec des dates bien ficelées et où on voit pas mal de choses, notamment dans les programmes. Et ce sera avec plaisir. En tout cas, la porte est ouverte. Il n'y a pas de souci particulier. Ok. Merci à toi, Bon, bah, je Pierre, vous pour ta remercie. question. On se voit le mercredi à Loon Plage, alors, Bonne l'année prochaine. soirée Allez, à vous. merci, bonne soirée. Bonne Allez, merci. soirée. Vincent Poteau, dernière question, si tu as 5 minutes. Allez. Sébastien, Vincent nous dit, dans le Nord, les pilotes s'entraînent beaucoup dans le sable, comme les meilleurs mondiaux basés à Lommel. Pourquoi ne sortons-nous pas plus de pilotes de classe mondiale, comme Maxime Renault? Alors, attends, tu veux dire, attends, j'essaye de Il y a beaucoup, comprendre un en peu gros, il la y a beaucoup de question. pilotes dans le Nord qui s'entraînent. Voilà, tu en vois beaucoup à des pilotes qui s'entraînent dans le sable. Pareil en Belgique, à Lommel. Mais voilà, ce que dit Vincent, c'est qu'il y a peu, on retrouve pas forcément tous ces pilotes-là au niveau mondial en Du Nord. suivant. Ouais. Mais déjà, en effet, alors la question est intéressante. J'ai envie de dire que, si je comprends bien, c'est pourquoi il n'y a pas plus de pilotes du Nord dans le haut niveau. C'est ça? Ouais, C'est un je peu la ça la comprends comme ça question? aussi la question. Ouais, Au comme niveau ça que je la mondial. comprends, hein, je voulais être sûr.
Bah, c'est une bonne question. Alors déjà, je voudrais déjà rappeler que c'est vrai que les entraînements de lune plage, ça reste quand même les compétitions de plage ou de sable de style plage restent très spécifiques. C'est pas parce que tu vas gagner l'enduropale du Touquet ou que tu es prêt à gagner l'enduropale, tu feras forcément un bon pilote de Grand Prix. Ce sable reste un sable un peu différent. Il faut surtout pratiquer dans la partie un peu Lommel. Et ensuite, j'ai envie de dire que il est très important d'y aller tôt dans le sable. Mais si tu regardes bien, dans le sable, tu as aussi toutes les parties du nord de l'Europe. Tu prends la Suède, tu prends la Scandinavie, tu prends tous ces pays, c'est rempli que de pilotes de sable, enfin de pistes de sable, et tu n'en sors pas forcément de grands champions non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la base technique, ça reste hyper important. En fait, il existe ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle le tronc commun du sport tout-terrain, de la moto, le tronc commun qui de notre base technique, qui va te servir en enduro, en motocross, en supercross, en rallye, en course de sable, voilà, ou en trial. Et cette base, elle s'acquérit plus sur des pistes de motocross. Alors que tu sois du nord, du sud, ou voilà. Mais ensuite, ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais rouler ton jeune pilote que dans le sable, il va te manquer une partie hyper importante pour devenir hyper technique. Et pour moi, devenir un très bon pilote de haut niveau, c'est savoir faire un peu de supercross jeune, c'est savoir faire de sable un peu jeune, pratiquer en motocross, aller faire différentes compétitions. Et ça, à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai envie de te dire, à partir de ce moment-là, ça, tu peux le faire, que tu sois du nord ou du sud, ou voilà. La seule chose que je pourrais dire, chez nous, la difficulté pour les pilotes du nord, c'est une réelle difficulté, c'est que je vois les petits copains du sud. Après, voilà, hein, c'est que quand tu fais un petit coup de moto l'hiver, les parents, c'est 3 heures de boulot en fait. Et je vois bien que ça roule pas autant que ça pourrait rouler. Tu fais mercredi 1 heure et demie de moto le mercredi ou 2 heures de moto le mercredi. Tu sais que le père, le soir, il a au minimum 2 heures de boulot. Ça a roulé dans la boue, c'était voilà, faut tout. Voilà. Et c'est vrai que ça roule peut-être un peu moins. Ça peut être une explication. Maintenant, voilà, je pense aussi que si tu fais que du sable, tu ne seras pas forcément un pilote, un grand pilote. Il faut vraiment être multidiscipline et pour pouvoir percer, quoi. Voilà. J'ai essayé de répondre à la question du mieux que je pouvais. Très bien. Bon, Parfait. tu voulais dire que dans le sud, on fabriquait plus des pilotes de champions du monde, quoi. J'ai compris. C'est bon. Je retiendrai que ça. C'est bon. On va se quitter sur ça, du coup. Non, mais merci beaucoup, en tout Parfait. cas, Sébastien. C'était cool. On a débordé. En Je tout t'avais cas, dit, tu vois, encore c'est dur de faire moins d'une heure. Ben, on est à 1 heure et 20. Ouais. Allez, je dirais juste un dernier mot. Bien C'est sûr. vrai que vous en avez parlé, je crois, un petit peu du pilote qui a roulé sur l'autre pilote. Oui. Hein, vous Ouais, en avez parlé un petit effectivement. peu, Ouais, vous? effectivement, on peut Juste pour clôturer en ce débat. parler, on a fait un petit texte dessus, on a fait un texte explicatif et du coup, on s'est fait. Tout le monde a dit, ouais, vous avez supprimé le texte, mais non, c'est Facebook qui nous a viré le texte parce qu'il y avait trop de D'accord. commentaires, de partage et tout, et du coup, ça, on se l'est fait Ok. sortir. Ouais. Moi, je suis surtout pas là pour recréer une polémique. Bien au contraire, je dirais juste que il faut tout remettre dans son contexte. C'est vrai que quand vu d'extérieur, moi je comprends que l'image elle choque. Hein. Je comprends, mais carrément, moi la première, ma première intention, j'ai été choqué. Alors que j'ai, voilà, mais après tu te poses et tu te dis, voilà, j'aimerais juste remettre dans le contexte. Tu pars sur l'enduropale, ce qu'est le préparer l'enduropale, ce que tu viens de vivre pendant 2 jours pour aller mettre ta moto au parc. Ensuite, le moment où tu pars de ce convoi. Je peux te dire, on parlait d'émotion, il y a un mélange de stress. Le niveau de stress, il est d'une immensité. Parce que cette course, elle t'attend. Et Et là, quel que soit le niveau du quelque, ah pilote. ben ouais, quel que soit le niveau, hein, il y a certains, c'est juste réussir à faire un tour. Mais le niveau de stress, il est énorme. Et tu as toutes ces motos qui démarrent ensemble, le bruit, partir ensemble. Et voilà. Et là, tu es dans le convoi, ça se bouscule sans le vouloir, hein, c'est pas volontaire. Il n'y a aucun moment
c'est vraiment volontaire, mais fais évoluer 1000 bateaux l'un à côté de l'autre pendant 2 km à 50 ou 60 km/h. Et voilà, tu sens bien que voilà, il y a toujours un peu d'effervescence, d'énervement, la contrainte, le stress. Et là, ben voilà, qu'est-ce que tu veux, le gars, il arrive, il freine. Moi, personnellement, je me suis déjà fait rouler dessus. Et j'ai déjà roulé sur des gars. Parce que tu es dans le truc, tu freines et tu sais aussi que des fois, tu te dis, ben, si je garde ma roue avant freinée et que je tape le gars, ça va lui faire plus mal que si je réaccélère un peu. Et je me souviens, dans mon contexte, d'avoir réaccéléré pour essayer de passer au-dessus du gars, lui faire moins mal possible. Et puis, ben voilà, t'as aussi encore 500 gars qui sont derrière toi. À quel moment tu fais le bon geste? Et honnêtement, bon, déjà, j'ai appris que ce monsieur, il s'était relevé, qu'il avait fait la course et qu'il était à l'arrivée. Donc, ça, c'est déjà la chose la plus importante. Et voilà, alors, je suis pas là pour faire l'avocat ou faire le juge, mais il faut quand même remettre bien ça dans le contexte. Et je vous garantis qu'à sa place, même avec à 46 ans, et avec autant d'années d'expérience, je ne sais pas si j'avais su faire mieux. Voilà, je laisserai là-dessus. Ouais, nous ce qu'on disait dans notre texte explicatif qui a été supprimé, c'est surtout voilà, arrêtons avec le truc de la pétition, de se sentir pousser des ailes en étant le justicier, en disant ce gars-là, il faut le fouetter, il faut lui supprimer sa licence, arrêtons, on est tous des motards, voilà, essayez de relativiser un petit peu, on est un petit sport, Carrément. putain, si on tire sur un gars qui a fait une erreur, on est vraiment con, quoi. Et les Ouais, c'est ça. médias, les grands médias mainstream, s'en sont Le bien problème occupés aussi, pour nous. c'est la deuxième chose qu'on soulevait, c'est que les grands médias se sont empressés de mettre ça en avant avec des images qui n'avaient même rien à voir. L'équipe, Le Parisien, La Ah ouais, Dépêche. en plus, je l'ai pas vu ça, tu vois. Ouais, Ça. mais même du coup, ça a été très loin. Donc, du coup, Ils ont plus parlé de ça que de la victoire en tant que cadette, je te rassure. Ouais. Exactement. Et C'est vraiment. j'imagine un peu dans l'état de ce jeune-là, tu vois. Ouais, Ouais, mais c'est tout pour ça, ça. on se dit, enfin, moi, pour avoir vécu le Touquet, pour l'avoir fait en étant un pilote moyen, pas en étant un top pilote, clairement, je me mets à sa place, je me dis que Ouais, peut-être, voilà, carrément. j'aurais pu faire pareil. Donc, non Mais plus lui, ouais. avoir un défouloir derrière comme ça, alors qu'on a fait quelque chose qui, au final, oui, c'est peut-être une erreur, mais c'est inadmissible d'avoir tout ça derrière. Donc, voilà, c'est ce qu'on expliquait nous, qui a été malheureusement supprimé. Bon, Super. on clôturera là-dessus du coup. Merci Voilà, ça beaucoup, marche. C'est Sébastien. passé super vite. Un grand merci à vous tous et merci pour ce que vous faites chez MX Réflexion. Cool. Et bonne continuité et longue vie à votre émission et à ce que vous faites. Top, Merci merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée à tous et on se retrouve Ciao, la ciao. semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut à tous. Ça Allez, marche. salut. Ciao, ciao. Ciao. Salut.